quoi dans toute bagaille qui mandé et qui nécessité un suivi normal pour que toute lumière faite et pour que aboutissement dossier a sauté au vu au sud de tout le monde. Les séances d'audition à commissaire parlementaire. Bon, pour moi-même, c'est une séance d'audition, donc toute séance d'audition, c'est des questions qui m'ont été formulées et des réponses qui ont été produites. Et même quoi que dans toute question que le commissaire gouvernement t'a posé, que me demandé tout pour te verbaliser déclaration, non? Je requis la présence d'un juge de paix pour te verbaliser déclaration, non? Toute question tournée autour de est-ce que je connais X ou bien je connais Y. Alors comme moi je ne connais ni X ni Y et me t'étendais tout, même monsieur ça qui a dit me connaît, hein, te font déclaration publique dans ce coup. Pour te dire que les pas je me connais, ni parler avec moi une seule fois, ni presser là mais une seule fois et autres, etc. J'espérais peut-être pas devant le commissaire du gouvernement, c'est même situation, hein, et même déclaration peut-être que le capable de faire, ça, cela va de soi, ça c'est son affaire, et ou bien c'est l'affaire, c'est leur affaire, à faire le vaillant avec eux, ou bien à faire sourire ensemble avec eux. Mais un fait est certain, c'est que je réponds par devant le commissaire du gouvernement, et je réponds à toutes questions que le commissaire du gouvernement a jugé utile pour le déposer dans ces circonstances. Sénateur, vous-même, vous avez un procès normal de ce. Ah ouais? Oh! Un dossier comme ça n'est pas moi qui initie. Son dossier que vous initiez, ben moi. Alors, si vous initiez un dossier, ben moi, moi-même, il faut que je choisisse pour que je fasse toute procédure qui mandait en pareille circonstance. Et je n'ai jamais dit à moi au stade du parquet et m'espérer que. Commissaire gouvernement, il n'est pas classé sans suite, parce que moi, je n'ai pas classé sans suite. Moi, je suis en poursuite. Le dossier a été transféré par devant le cabinet d'instruction pour qu'un juge instruise. Et c'est là, moi-même, m'a senti mal à l'aise et là, m'a senti confortable pour que, au moins, la vérité soit capable de blâiller autour de questions. En tant que monde qui soutient la politique là depuis très longtemps, c'est comment analyser la situation politique là, je veux dire. Son situation. Moins difficile que toute situation difficile que nous qu'on a vive, dans la mesure où on a un président qui s'est démarqué de certaines pratiques, qui se fixe des objectifs, qui a une vision claire de ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut réaliser pour son peuple, pour sa population et pour son pays. Peu importe le bruit des cymbales ou des tam-tams, etc. Mais le président poursuit son bonhomme de chemin avec, disons, ses programmes qui découlaient de objectifs que le fixé tête et de mandats réguliers de 5 ans que le peuple haïtien choisit pour le balai. Et l'homme dit mandat régulier de 5 ans, je pèse mes mots. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, que l'opposition s'organise et que l'opposition au moins structurée et que l'opposition choisi pour que ce n'est pas un projet de l'eau potable, par exemple, qui est fait pour une population, l'offre pour des individus couper tuyaux, casser tuyaux, comme ça a été le cas en Savo, pour empêcher que la population joigne de l'eau pour le bois. Moi, j'estime que l'opposition, ça, c'est une opposition destructive et que le peuple en Savo, toute population en Savo et le pays en tout, doit prendre note et de prendre acte de attitude désobligeante et négative que certains leaders de l'opposition gagnent. La réalité, tout compte fait, c'est qu'aujourd'hui, nous estimons que y a un climat, pour moi-même normal, comme tout climat annonciateur de grands événements politiques qui vont le produire dans le pays, tout particulièrement les élections. Les élections, en prélude à lui-même, ont rejoint des branle-bas un peu partout, des manifestations des rues, des manifestations des tensions, et des manifestations, quand je dis manifestations, il faut qu'on bien interprète lui, des manifestations des tensions. Mais un parti politique comme tout parti politique, et comme de par sa définition classique dans la housse, eh bien, son groupe monde qui mettait tête ensemble, puis on choisit, puis aller dans l'élection, puis on prend pouvoir.
eh bien, que toute partie politique prenne disposition pour qu'ils aillent dans l'élection et puis pour prendre pouvoir. Mais estimé tant que nous-mêmes, dans le bon côté président, nous, en tant que parti politique, nous au pouvoir, nous-mêmes n'avons pas organisé nous pour nous faire satisfaction et pour nous quimber le pouvoir. C'est le rôle normal et classique de ça qui inscrit dans la logique démocratique et mais qui doit inscrire dans la logique d'alternance démocratique aussi du pouvoir à travers les urnes où le peuple a voté. Mais l'important, ce n'est pas voir monter, n'est pas faire. Par exemple, le Parlement qui joue aujourd'hui en instance de contrôle, transformer en instance de tribune populaire. Côté c'est dans la radio, toute la journée, même temps des parlementaires de corruption. Alors que vous êtes en instance de contrôle, vous ne pouvez jamais argumenter, ni bailler de documents, ni produire de documents à la nation pour dire mais ce qui est bon, aux jeunes et corruption, yo, mais qui ça qui pas bon, mais qui ça qui ceci, mais qui ça qui cela. Moi, c'est dans la radio. Vous pouvez monter, vous fait. Alors moi, je crois qu'il est temps que l'on finisse avec cette période récréative pour moi-même, pour Youri, pour le sénateur Clérier, pour le sénateur Beauplan, et pour bien d'autres collègues et amis qui veulent participer dans l'élection, hein, pour qu'au moins on puisse permettre au Sénat de reprendre son visage d'antan.